Good morning, allez, Idan et Sutra, aujourd'hui le Lonishmat, Abraham Mordechai, Ben Yitzhak, Befani David, Ben Fortuna, Mazal Fritna et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions Massarat Kudot, Perek Yud Gemel, Mishnah Chet, Amotzi, Shtar Chov, Al Chavero, Vehala Otzi, Shemacharlo et Asade. Adman Omer, Yachulu Shayom, Arilo et Yichayav Lecha, Ayarecha Lipara, Et Shelcha, Shemachartali et Asade, Lachachamim Omrim. On touche maintenant au dernier décret de Admon, en fait l'avant-dernier, on en rencontre dans la prochaine Mishnah, que, ouais, vous vous rappelez, les deux juges de Yerushalayim, Hanan et Admon, chacun a fait des décrets, des psakim, des décisions du Bet Din, selon lesquelles on se conduisait. Maintenant, après, ça a été discuté. Concrètement, on est dans le sixième cette fois-ci. Amotzi shtar chov al chavero. Moi, je sors un contrat, une reconnaissance de dette de Réhouven. Tu me dois 200 000. Ça fait 2 ans que ça traîne cette histoire-là maintenant. Tu dois me payer 200 000. Tu me dois 200 000. Et quoi? Ve'ala otzi shemacharlo et asade. Et lui, il me dit, attends, depuis 2 ans, depuis Tafshin Pe Aleph, moi, je lui... Il m'avait emprunté 200 000 et il avait écrit une reconnaissance de dette. Et lui, il me sort maintenant un papier comme quoi il a acheté de moi un terrain à 200 000 shekels il y a 1 an. Deux histoires différentes. Moi, je lui ai prêté de l'argent il y a 2 ans et je réclame que maintenant, il ne les a toujours pas remboursés. Et lui, il prétend qu'en réalité, il les a déjà remboursés. Et que depuis, il a même fait d'autres transactions avec moi. Il m'a acheté un terrain à 200 000. Attention, regardez ce que ça veut dire. Logiquement, si jamais moi je vous donne de l'argent et je ne vous paye pas, et que je viens vous acheter quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire dès que vous allez voir que je vais sortir de l'argent? Vous allez vite me les prendre et me dire, allez, reviens demain pour acheter de l'argent. D'abord, paye ta dette, rends-moi ce que tu me dois, et après on discutera, est-ce que tu vas m'acheter quelque chose? C'est exactement ce qui se passe. Moi je vais en voir, je vais au Rennes, je lui dis, écoute, hey, tu me dois 200 000. Et lui me dit, 200 000, je te les ai payés, mais mieux que ça. L'année dernière, il a acheté de moi un terrain à 200 000. Donc en fait, il m'a sorti des liasses de billets comme ça, là. Il m'a sorti une mallette pleine de 200 000 shekels pour m'acheter un terrain. Et moi, si réellement je lui... Et lui prétend en fait que si réellement je lui devais de l'argent, eh ben quand il a sorti cette valise, il fallait que je la prenne vite et que je m'en aille vite. D'accord, que je récupère mon argent tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de lui vendre un terrain? C'est la preuve par excellence que la dette de 200 000, il l'a payée. Et depuis, il a même aussi acheté un terrain de moi de 200 000. Vous comprenez les deux avis, la discussion qui est entre les propos du créancier et de l'autre, de Reuven et Shimon. Donc je reprends le cas. Amotzi shtachov al chavero. Il sort un shtachov, une reconnaissance de dette, al chavero sur son ami. Reuven, il sort, Shimon, tu me donnes de l'argent. Ve'ala et l'autre, Shimon, il lui rétorque. Otsi, il lui sort un terrain, il lui dit Shemacharlo et Asadé, que plus tard il a vendu un terrain. Admon Omer, Admon nous dit Yacholu Sheyomar, Ilu Haiti. Donc les deux avis qu'on a évoqués, en fait, c'est les deux avis de la Mishnah. Yacholu Sheyomar, il pourra lui prétendre Ilu Haiti Chayav Lecha. Si je te devais de l'argent, Aya Lecha Leipara et Shelcha, il fallait que tu te fasses rembourser ta dette. Shemachartali et Asadé. Au moment où tu m'as vendu le terrain, il fallait vite que tu prends. Dès que je suis venu, il fallait en fait, en réalité, il fallait que tu fasses, que tu joues le jeu, que tu fasses comme si que tu vas me vendre le terrain, jusqu'à que moi je te dis, bon, regarde, je te sors l'argent, on sort, on compte, après tu me fermes la valise, et tu dis, bon, merci, tu m'as remboursé ma dette, maintenant sors une deuxième valise de 200 000 pour acheter le terrain. Et si tu n'as pas réagi comme ça, c'est la preuve par excellence que je t'avais déjà payé, je t'avais déjà payé la dette, et que maintenant... J'ai même acheté ensuite un terrain. Ça, c'est l'avis de Admon. Le Chachamim Amorim, pas du tout. Chachamim dit tout le contraire. Zehaya Pikeach, le prêteur, Reuven, ou moi, enfin. Ouais, Zehaya Pikeach, il a été très intelligent dans ce qu'il a fait. Shemachar lo takarka qui lui a rendu le terrain. Mipene, je vais achol le Mashkano, parce qu'à présent, il peut maintenant lui prendre en gage, lui faire une saisie de son bien pour récupérer son argent. En deux mots. Je reprends le cas, j'explique un petit peu mieux pour comprendre ce qu'il sera Chachamim. Après, il faut rentrer un petit peu dans le Barthénora qui nous rentre dans des détails de l'histoire. Mais pour le moment, de manière générale, il y a, moi,
Réhouven, il me doit 200 000. D'accord? Et ça fait déjà 2 ans que ça dure l'histoire. La date d'échéance, elle était arrivée depuis 2 ans, on va dire. Comme ça, on comprend mieux la scène. La date d'échéance, elle est arrivée depuis 2 ans. Je lui cours après. Et lui, Réhouven, il me dit, mais l'année dernière, il a acheté au même prix que je lui dois, même. Il a acheté de moi un terrain. C'est la préférée excellence que jamais j'aurais dû accepter qu'il m'achète un terrain. C'est ce qu'il prétendra de moi. Notre famille, ils vont dire pas du tout. Moi, pourquoi j'ai accepté de lui vendre le terrain? J'ai accepté de lui vendre le terrain en réalité, vous savez pourquoi? Parce que ça fait 2 ans qu'il me balade. Chaque fois que je le vois, il me disait, ça faisait 1 an, en fait, en l'occurrence, qu'il me promenait, qu'il me disait, chaque fois que j'allais le voir, il me disait, reviens demain, reviens après-demain, mon cousin, mon frère, ma grand-mère, mon arrière-grand-père. Et chaque fois, il avait des excuses. Du coup, j'ai commencé à avoir des sueurs froides la nuit, est-ce qu'il allait me rembourser, il n'allait pas me rembourser. Mais je me suis dit, alors là, je vais lui faire un plan excellent. Je vais lui vendre un terrain pas cher du tout. Une affaire extraordinaire. Ma super maison, je vais lui vendre à 200 000 au lieu de 400 000. Comme ça, c'est sûr qu'il va me rapporter de l'argent. Et une fois qu'il va me rapporter de l'argent pour m'acheter ma maison, alors, maintenant j'ai revu la couleur de l'argent. Je vais d'abord récupérer le 200 000. Je lui laisse la maison. Puis après, je lui dis, allez, maintenant, je reprends ta maison parce que je te fais une saisie de ton bien. D'accord? En fait, en deux mots, ouais, peut-être tu es un peu abusé avec mon histoire de la maison qui coûte 400 000, sinon j'ai perdu de l'argent. Mais prenez qu'en fait, il a proposé une super affaire. Il a dit, je te vends un terrain à 200 000, c'est ce que tu rêvais, débrouille-toi de l'argent comme ça. Premièrement, il a amené l'argent, après il prend le terrain, et puis après je lui fais une saisie du terrain. Comme ça, moi, j'ai de la viande fraîche à me jeter dessus pour la manger, quoi. Sinon, il faisait que de me promener, me balader, reviens demain, reviens après-demain. D'accord? Maintenant, pour pouvoir mettre en scène cette histoire, alors, il faut juste une précision importante. Il faut que... Il y avait deux usages à l'époque de la Gemara. C'est évoqué dans plusieurs endroits. Il y avait des endroits où on avait l'habitude de d'abord donner l'argent et après écrire le contrat. Et d'autres endroits, on avait l'usage d'écrire le contrat et seulement après le vendre. Toute cette histoire-là de Chachamim, qui va lui dire que je t'ai fait une entourloupe en réalité pour récupérer mon argent... C'est uniquement dans un endroit où on a l'habitude d'écrire un shtar, et seulement après de donner de l'argent. Parce que si on a l'usage de donner de l'argent et après d'écrire le shtar, alors on va rétorquer de nouveau, pourquoi est-ce que je lui ai écrit le shtar? Depuis le moment où il m'a donné l'argent, et je lui dis, attends, je vais t'écrire le contrat, il fallait que je lui dise, attends, j'ai cassé mon stylo, demain je reviens avec une autre feuille, et après j'ai perdu la feuille, après l'autre, le témoin. Ouais, je l'aurais baladé autrement, mais j'avais aucune raison de lui écrire le contrat une fois que j'ai reçu l'argent dans la main. Donc il faut parler forcément qu'on parle dans un endroit où on a l'usage de fonctionner à l'envers. D'abord on écrit le contrat, et puis après on paye. Et alors là, dans ce cas-là, je vais pouvoir prétendre que je lui ai écrit le contrat, en réalité c'est que pour voir la couleur de l'argent, pour qu'il me donne l'argent, pour que je fasse une saisie. Dans ce cas-là, on a un problème. Alors comment est-ce qu'on va comprendre Admon finalement? Admon, il a dit que pourquoi c'est tout à fait vicieux et intelligent d'avoir fait ce coup-là. Comment Admon y va? Pourquoi Admon il prétend que, malgré tout, il peut encore prétendre que non, que le fait qu'il a acheté le terrain, c'est une preuve qu'il m'avait remboursé la dette? Parce que selon Admon, en réalité, il fallait que, avant que j'écrive le shtar, que je suis en train de lui vendre la maison à 200 000, il fallait qu'en fait que je prenne deux témoins avant, à l'extérieur, dans une pièce annexe, et je leur dis, je vais faire semblant que je lui vends le terrain, comme ça je vais le récupérer. Et si je n'ai pas pris des témoins pour assurer, pour le prévenir de mon coup que je suis en train de faire, alors on va selon ce qui est écrit, et selon ce qui est écrit, il y a écrit que je lui ai vendu une maison, et ça prouve dans ce cas-là qu'il m'avait remboursé la dette. Parce que je n'ai pas pris les deux témoins, je n'ai pas fait ce qu'on appelle une moda'a. L'imsor moda'a. Faire une déclaration devant deux témoins que je me prête à faire quelque chose, que je ne suis pas du tout entier avec ce que je fais, mais que je le fais pour pouvoir assurer mes arrières. Et si je ne l'ai pas fait, donc c'est pas... C'est que ça n'a pas eu lieu en réalité, c'est que j'ai réellement vendu et c'est réellement une preuve qui m'avait remboursé la dette. Selon Chachamim, ils ont une autre approche, ils te disent non, on ne prend pas les gens dans une pièce annexe pour leur raconter que tu veux faire un coup de vis. Quand tu fais un coup de vis, quand tu joues au poker, tu fais de signe à personne, même pas à ta femme, ni à ton fils, ni à rien du tout. Tu fais semblant, tu gardes tes cartes bien sérieusement, tu dévoiles rien. Si tu vas ouvrir la bouche, il y a quelqu'un qui va savoir. Même tu vas parler, même à ton plus grand confident, il n'y a pas de confident, il n'y a rien du tout. Quand on est en business, on parle, on garde ça très 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 précieusement, que personne ne sache, et en réalité tu peux prétendre que tu n'as pas de fait de moda'a, parce que tu te souciais que ça allait s'ébruter finalement, et que ça allait tomber à l'eau ton bon plan.
C'est pour ça que nous n'en a pas parlé. Et là, la halakha est appliquée comme chachamim, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov, salam.